deux ans, depuis Nemo Jean-Baptiste a été créé, le rythme compas direct. Historien Jacques Garzi-Bréval prend fait une série d'émissions sous musique compas direct. Du 22 octobre au 26 novembre 2017. En pile question à poser, avant Nemo Jean-Baptiste, qui musique qui t'est qu'on jouer? Qui musique peuple haïtien t'est qu'on danser? Pour qui, y'a pas parlé de Robert Sico Kades Rampa? Jazz des jeunes septentrional qui t'est là avant Nemo Jean-Baptiste, qui ça y'a t'est qu'on jouer? Eh bien, Garzi-Bréval, gain réponse là pour nous. Rendez-vous cassé sous histoire, musique, compas direct avec Jacques Garzi-Bréval. Pas qu'on côté ne sorti, non pas qu'à qu'on côté ne pralé. Messieurs et dames la société, la mitin émission petit caille, mais belle tranche bouillon qu'il t'y la caille, histoire tant longtemps, mythe, musique, folklore, patrimoine, tradition et latrie. Bouillon, bouillon. Bouillon qu'il t'y la caille avec Garzi-Bréval. Bon après-midi, mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Salutations à Georges, Alexandro, Cacotte et Char. Bouillon qu'il t'y la caille, chronique du savoir de l'université et de tout ça nous le connaît. C'est ainsi que me dit Char. Bon après-midi, encore une fois. Cette nouvelle face à face, à toi, Charles. Bonsoir, Garzi. Bonsoir, Charles. Alors, nous connaissons que nous continuons avec une série causée sur la musique haïtienne. Non? Et semaine dernière, là, la dernière émission, où tu as parlé de. De ensemble qui est pour des noms au Dieu. Mais, nous, pour que tout le monde ait et au disparaît, est-ce que. Hôtelio pral rete sans orchestre ou sinon yo pral gagne yon long forme musicale qui pral prend la relève dans Hôtelio. Bon, et ça nous aimerait dire, et c'est laisse à tout, nous allons rentrer dans l'air des trios haïtiens institutionnalisés avec Tiparis, par exemple les frères d'or, Gérard Pierre, Ferdinand et René d'or. Nous parlons gagner tout à Nuscadé et son orchestre qui lui-même tout fait furé juste en fait années 60. Car c'est orchestre ça qui était qu'on jouait dans le local de l'autre national là, l'été gagné et tirage, chaque tirage. Et nous, comme dit tout, nous pas oublier que Duvalier était fait, les Duvalier étaient fait monter. Il était baillé à Nuscadet au bâton parce que Nuscadet était fond chanté sous lui qui était les piquants. Nuscadet, c'était un monde, on dit un parolier qui était là pour faire de belles musiques qui correspondent à la réalité sociale à l'époque là. Parlant de Tiparis, on va jouer dans les années 70, et même si son équipe rentre de Port-au-Prince depuis 1963, après que musicologue Gérard Merson fin écrit sous Tiparis, nous parlons de Ivo Combo en 1973, qui prend un hommage tout, et avec un pourri, une composition de tout ça que Tiparis était qu'on chantait. Et nous parlons de un extrait. Marcher toute la nuit, ma bon cochon c'est la droite, ça me bat contre le côté de moi. Je ne sais pas qui ça me va le faire, sans baguette ou intérêt. Moi, je me tourne en chaîne de mon, sans petite femme qui m'était dans ça. Ou même 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 qui m'était dans ça. À la fin, on a dit, mon chéri, qu'il a plongé la main, prends-moi, ce que ta maîtresse caille, moi. Mais regardez qui j'en viens de faire peur, ce que mettez-moi sous ça, sous ça.
dans sa console. De 1940 à 1950 que Gros Diazio prend paraître tant qu'on tant qu'on jazz des jeunes, tant qu'on orchestre citadel, c'est un peu etc. Oui, c'est vrai, la formation Diazio avec les frères d'or en 1943, frères d'or qui étaient gagnés trio. Et des jeunes, les jeunes barrettes, des jeunes jouaient toutes ancestrales, Ibo, Combo, Petro, etc. Mais pour parler de Diazio jeunes, nous pas qu'à oublier une plus belle voix femme haïtienne que Haïti par Jamgé, même si pour nous dire Diazio jeune t'a au moins 3 à 4 femmes là-dedans non? Et qui passaient successivement par même temps. Et femme m'a parlé là c'est Liman Casimir qui pourquoi ça me retenait de lui-même, c'est parce que Liman Casimir jouait un grand rôle tant sur le plan politique que musical. Surtout dans la musique ça vous pouvez faire nous tendre là. On y a avec un style que nous cabrions les mambo.
Ouais, c'est ça qui fait les septembre entre Port-au-Prince. Parmi nous, il y a des balia. C'était diazement pour vous s'y a rentré. Moi, il faut attendre un extrait de musique ça. Quand la question que tu posais tout à l'heure, tu te dis que c'est après l'époque ça. Oui, que le Moussa Baptiste a remercié que tu es venu arriver là. Tu es venu arriver. Entre temps, nous avons dit qu'il y a un groupe jeune qui prend formation dans la centrale. Ok. Pour les amis musicaux, pour paraître sous scène, tout scène, non. Comme leader de la musique haïtienne. Ok. Et okay. Ce n'est pas des jeunes qui sont venus sans que tu n'aies pas gagné une sorte de préavis. Si nous parlons d'une philosophie ou bien une idéologie, pour nous dire auditeur, nous avons année 1950, règne de la petite jette militaire sous général Paul Eugène Magloire. Les levées, l'avo, la taillade, que vous avez bâillé non, surtout la taillade, vous avez bâillé non, elle est surtout elle paraît dans un bal. C'était tout orchestre bâtonnel, ou un club qui jouait musique ça, la taillade rentrée. C'est pour montrer que même avant la formation de Nemo, tu as une musique que je peux danser, mon musique que j'ai fait pour la taille même. Mais. Ok. Comme ça, et Charles m'a dit tout, c'est dans l'époque ça a tout,
pour continuer gain d'autres implantations de certaines stations de radio. Mm-hmm. Après Radio Port-au-Prince, on va joindre Radio Diffusion Haïtienne avec une nouvelle programmation qui va introduire d'autres traditions spéciales dans le pays. Mais OK, Gazi, mais là, on dit l'autre tradition spéciale là, ça on veut dire par là. Ça pas dit que radio qui était là avant yo. Concours Radio Haïti, concours MBC, pas de gain intellectuel là-dedans, yo. Et Radio Classique. D'abord, toute émission, quel que soit ça, vous avez fait, vous avez annoncé, c'est en français, l'était qu'on fait. Mais vu que c'était une équipe de poètes qui était animateur, c'était une radio. Par exemple, Radio Classique, vous avez Anthony Sévé, son équipe. Côté même le dimanche soir, vous avez des séances de poésie. Alors, vous avez un programme quotidien de la chansonnette française. Côté toutes jeunes filles, jeunes garçons, acheter des cahiers 35 à 60 quoi pour copier chansonnettes à partir de programmation ça. Ouais, pour l'histoire et mémoire historique, c'est à partir de là que jeunes, dans l'époque ça, et mélomanes de la musique française, peuvent faire connaissance avec musique de Luis Mariano, surtout musique qui est liée au signol, que nous pral gagner un chanteur haïtien, donc Antonio Benito, nous pral bal non, et sinon au signol de minuit. Et c'est à partir de musique ça tout que en pile nèg pral faire sérénade en français pour n'en pourri une musique qui est plus d'un demi-siècle que chaque fois ni Venus mon amour ni Rossignol et a joué dans l'orchestre surtout Tropicana a joué c'est comme si son baume le plus doux et le plus céleste qui coulait dans cœur tout le monde qui n'en balle ça entendez extrait de musique ça Rossignol là. Il était une fois une fille de roi, au cœur plein de tristesse, enfermée nuit et jour, au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, un gentil rossignol vint dire à la princesse, je t'apporte l'espoir et c'est pour le revoir qu'elle chantait le soir. Rossignol, Rossignol de mes amours, dès que minuit sonnera, quand la lune brillera, viens chanter sous ma fenêtre. Rossignol, Rossignol de mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et l'amour viendra peut-être. Ce soir, sous ma fenêtre, reviens, j'attire. Rossignol, le rossignol revint, se posa sur la main de la belle princesse. Elle le caressa, puis elle l'embrassa et il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Oui. Oui, mais regardez, là on dit quel que soit ça qui t'a dit dans la radio ça, c'était en français ou t'es qu'on dit, yo. Mais est-ce que c'était le cas pour publicité autour? Oh oui, ça. Mm-hmm. Mais tout bagay n'est qui t'es qu'on dit. Mm-hmm. Mais moun qui pral révolutionner forme et langage publicitaire là, c'est pral Théophile Salnave alias Zo. Mm-hmm. Qui connaît le Zo. Qui pral premier moun qui fait publicité en créole et en chantant. Ah bon? C'est pour ça, je crois que ni Bicha, Jodia, ni Académie Créole, là, ils doivent rendre un gros hommage à Zo, à M. Théophile Salnave. Et je vais faire un extrait de Ensemble Publicité de Confeyo avec la voix de Serge Isidore,
et un bon ami et qui était bon ami Jean Sorel et qui c'est un membre tout de l'appel retrouvé. Entendez publicité ça que monsieur T fait nous revivre à un certain moment. Madame, ma bonne conseil. Bye bébé, ou farine qui se a. Bébé a vin lou kon bois 50. Docteur pa bien fréquenté Kaila. On fait qui se a à l'eau. Sucre de l'eau, mettez sous du feu. Lague la donne si moto cannelle. Et préparez yon lait qui se a. Dodo titit, rêve qui se a. Bal qui se a. Dans tout suite. Et à la bras étonnée, santé n'a force non assurée. D'après maladie, cap empêché de jouer. Tout bon bagay qui dans la vie. Depuis 40 ans, la fait nous content. L'estomac dit c'est l'écrangile. Rentrez franchement sur qui ce qu'il y a. Qui t'y frappe du étranger, c'est lui tout moment à demander manger bébé, c'est qui ce qu'il y a. Oui, Jean. Oh, regarde, franchement. Son nom voyant, mais qui a une mémoire terrible. Oh là 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 là. Et il est Serge Isidore. Oui, Serge Isidore, oui. Alors, regarde, bon, et pour qui ça. Et pour qui ça tout à l'heure, l'on dit que. Et il y a des jeunes musiciens qui étaient formés dans l'école centrale, l'école centrale, yo. Pour qui ça ne veut pas paraître sans que ne pas gagner. De préavis. Richard, au lieu c'est moi qui bon réponse là à question ça. Ouais. Je préfère autant de Gira Duberville. D'après témoignage qui fait qui était témoin époque ça. Ou changer des premières chroniques là, en pile monde demande pour ça c'est l'hymne de cité. De parler d'un militaire haïtien qui était relé Augustin Bruno. Oui. Qui était fait musique qui était relé marche militaire. Étant donné me bra fait autant de voix Gira Duberville, s'il vous plaît. Ndaman de tout, on étant donné son cassette qu'il a longtemps. Il continue friture en bas, mettez oreilles nous bien pour nous tendre sa cap dia. C'est ça. Tout à fait. C'est-à-dire que Chico ne monte pas dans la centrale. C'est Bruno qui montre jouer. C'est-à-dire que ça n'est pas capable et cacher ça ni passer sous lui. Tout à fait. Et nous croyons tout ça.
peut-être m'a connait second dernier mot et quitte pour un dernier mot hein? Oui bon quoi que et retenons deux émissions pour nous entrer vraiment dans le mot Jean-Baptiste et Robert Sico. Oui, mm-hmm. Mais ça, pour me dire tout, comme tout ça, mais qui ça nous condense? Bon, malgré tout ça, que ça me barre, et pour aller tout en musique là, on pourra le voir que parents nous, grands-parents nous, papa nous, maman nous, ils étaient condensés Calypso tout. Ah, voilà. Mm-hmm. Et c'est bagaille ça, hein, plus devant, Nabinavel, pour nous montrer que les neufs m'ont dit, ils ont fait, oui, bon, nous faut que nous fassions bah, tout. Mais c'était voyez bah, yo, c'est-à-dire voyez bah, yo, de yo tout. Ah, ok. Vous comprenez? Ok, oui, qu'on y a me comprendre. Parce que, là, ça, t'es gagné l'autre musique qui t'a rentré dans le pays, hein. Et puis, même, bon, par exemple, on chante concours d'Odolphe Le Gros. C'est-à-dire que de groupes liés, et qu'on a pu chanter tout, quand Joe Trouillo, qui t'en a pu chanter des chantés, et de qui soit de tout. Comprendre, mais les deux mots et ça, les mots, ouais, les calices sont rentrés, il a fourré pied dans la musique là tout, et puis, à partir de musique ça, on a venu avec une réponse de moi, puis devant, en dans des musiques ça, qui était là avant de moi. C'est ça. Oui. Et Calypso, laisse ça, nous te condamnons surtout. Alors, vous quittez nous là. N'importe semaine prochaine, Dieu voulant, si Dieu me permet, si Dieu chante là, merci, Gadi. Ok, d'accord.